journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans la rétro de la semaine. Cette semaine a été marquée par la sortie médiatique de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound qui, tout en annonçant la création de son parti politique, a fustigé le régime en place. Côté sport, Donatien Chimanga, président AI de la FECOFA, a couteau tiré avec l'ex-président Constant Omari. Le comportement inadmissible des motards communément appelés Wewa à Kinshasa a été fortement déploré suite à l'incendie d'un véhicule qu'ils ont réduit en cendres pour venger l'accident d'un des leurs. Au centre de conférence Kenneth Kaunda Winks de Lusaka en Zambie, flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiers zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de l'RDC, président d'exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine, devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sur-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président certainement va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Nous voulons échanger avec vous, Excellence, Monsieur le Président, sur les projets que vous avez fait décoller vous-même. Ces projets de transformation du forum parlementaire en parlement régional, c'est votre propre œuvre. Vous vous êtes battu pour cela, vous l'avez parlé avec des chefs d'État qui, à l'époque, étaient en fonction, et vous l'avez vraiment fait avancer. Et nous vous remercions également pour votre intervention au sommet de Lilongwe, où le projet avait été adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons à vous, Excellence Monsieur le Président? Je constate d'abord que nous sommes venus à une porte déjà ouverte parce que vous vous êtes engagé depuis très longtemps et vous restez engagé pour que le forum parlementaire de la SADC deviennent vraiment une réalité tangible. Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subies en début de cette année, j'ai décidé ces jours de vous convier
en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformés en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez ancien. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. La semaine du 17 au 23 juillet 2022 sous le plan de la dialectique politique aura été riche en événements à raison du nombre de conférences de presse et autres sorties médiatiques qui se sont révélées pamphlétaires pour le régime congolais. Arrangement, coïncidence ou aléa, se demande-t-on. Outre la conférence de presse de Jean-Marc Kabound du lundi 18 juillet, l'opinion nationale et internationale a suivi la sortie médiatique du président du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo du mercredi 20 juillet, de même que les commentaires des Congolais. Les deux conférences de presse critiques ont eu des points communs, fait qui en dit long sur la convergence de vue des Congolais confrontés à l'appréciation de l'action du magistrat suprême. Même si on peut mettre à l'avant-scène de frustration supposée des héros de ces deux conférences de presse à l'endroit du premier citoyen congolais, loin de tout esprit égocentrique ou d'autosatisfaction, il faut reconnaître que bien des Congolais se sont retrouvés dans les prétendues allégations de Jean-Marc Kabound et Franck Diongo. Et de l'examen de la réplique d'Augustin Kabuya lors de sa conférence de presse de mercredi 20 juillet soir, il ressort des demi-vérités, voire des truismes qui n'ont pas convaincu les observateurs préoccupés par les intérêts du peuple et guidés par l'impartialité et l'orthodoxie. Cette seule observation devrait donner matière à réflexion et induire un nouveau paradigme dans le chef de la classe dirigeante s'il est vrai que le leitmotiv de la gérance de la chose publique reste le peuple d'abord. L'important, en dernière analyse, loin de tout esprit revanchard, reste et demeure l'avantage pour les uns et les autres à tirer de la semaine noire qui s'achève demain. Sinon, tôt ou tard, même pour les sceptiques et fanatiques ou militants, la vérité éclatera et s'imposera. La démocratie n'est-elle pas tout sauf l'acharnement vis-à-vis des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que soi? Cadres et membres du parti MLP ont répondu présents à l'invitation de Franck Diongo. Chant, drapelet brandi pour marquer la première sortie médiatique de leur leader. Prenant parole, le président du parti MLP souligne qu'il s'engage à combattre aux côtés du peuple congolais et annonce sa participation aux élections à venir et se désolidarise du pouvoir en place. Le régime actuel au pouvoir est considéré aux yeux du peuple congolais comme un espoir déçu au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et leurs auteurs que nous avons combattus avec notre père Étienne Tshisekedi. Selon Franck Diongo, l'État, la RDC, se trouve dans une situation chaotique sur tous les plans. Il déclare que l'état de siège est un échec. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, aveugle, les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique. Le MLP informe la communauté nationale et internationale de sa forte volonté, sa détermination et son engagement
irréversible de participer aux élections de 2023. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Il s'y est de noter que Franck Diongo a promis de défendre la RDC par des voies démocratiques. La question écrite est adressée au ministre des Hydrocarbures parce que certainement le 28 et le 29 de ce mois, la RDC va faire un appel d'offres international pour les blocs pétroliers. 16 blocs pétroliers dans le pays. Mais curieusement, comme Élie du Peuple, ça pose un problème. C'est bon, nous ne sommes pas contre la mobilisation des ressources. C'est référent de la vision du chef de l'État. Nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Faire un appel d'offres en bloc, d'une façon générale, où nous prenons 16 blocs pétroliers, nous mettons à la portée de tout le monde. Pourtant, avant que nous puissions faire ça, il y a des préalables. Il est vrai que le ministère a fait quelques préalables, mais ça reste encore à vérifier. La question d'interpréter les articles 162, 163, 164 de la Constitution a déjà été tranché par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 novembre 2021. Donc, la Cour de cassation a pris l'initiative de poursuivre. Face aux exceptions soulevées par la partie prévenue, elle invente une exception nouvelle que nous n'avons pas soulevée. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là est d'où nous venons et où la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Et je ne pense pas que la Cour constitutionnelle va se dédire. Elle va soit rejeter la requête de la Cour de cassation, soit confirmer sa jurisprudence du 15 novembre 2021. Voilà. Donc vous êtes serein, en français. Très serein. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole. Les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 km, ont bel et bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mbujimayi, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Sandcrit, qui s'attelle à cette tâche. Le chantier est bel et bien ouvert. Sur le terrain, des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenga Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le site de lancement des travaux de la route Mbujimayi-Kananga. Et je suis venu en précurseur avant que le président de la République, chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Sandcrit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Du côté de l'entreprise qui exécute les travaux, le groupe égyptien Sandcrit, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Bassim
et le country manager de Sandfritz en RDC. Je vous assure que ce route-là, ce sera de bonne qualité, les très meilleures qualités. On voit tellement les problèmes de transport à Mujimai. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment, si le route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Mujimai à se connecter mieux sur le Congo. Un autre acteur clé du projet, c'est le Bureau de contrôle et de surveillance Grains International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le bon quant au suivi de l'exécution, a déclaré Ferry de Peroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit, nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Sandfritz et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point des consommations provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kasaï. Avant de quitter Mujimai, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers déjà entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1 ou Kinshasa, Mbujimai. Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. Les transporteurs par moto d'Iwewa ont encore fait parler d'eux lorsque dimanche 17 juillet 2022, ils ont mis le feu sur une voiture conduite par une dame et ayant à son bord des enfants à l'entrée d'Aquasplash sur la route au poids lourd à Kingaboa. La dame, dont la voiture clignotait pourtant alors qu'elle manœuvrait pour entrer dans Aquasplash, a ressenti la secousse derrière son véhicule où un motard transportant une passagère s'est heurté. La dame n'a pas percuté le motard, mais c'est ce dernier qui a heurté par derrière et non par devant la voiture conduite par cette mère de famille. Mais comme à leur tradition, l'instant d'après, les Wewa se sont rués sur la voiture et y ont mis le feu sans autre forme de procès. Notez par ailleurs que cet acte est une énième forfaiture routière que perpètrent les Wewa. Qu'ils aient raison ou pas, mus par une solidarité remarquable et vindicative, les Wewa s'en prennent à quiconque a affaire à l'un d'eux. Mais ils restent inertes lorsque l'un d'eux lèse un usager de la route. Les Wewa contribuent spécialement à arrêter surtout les camionneurs qui fauchent les gens. Malheureusement, quand ils essaient de priver les autres usagers de la route de leur droit de se sentir à l'aise sur les voies publiques, se faufilant entre les véhicules et importunant les piétons sur les trottoirs, ils ne savent pas que ces comportements font d'eux des véritables dangers publics. Aux autorités du pays de s'investir pour éradiquer ce mal. Province du Haut-Lomami, 10 048 finalistes, soit 4 805 filles, sont soumis aux épreuves d'examen d'État. Ce lundi, le temps est lancé depuis le centre Ekamina 1 du lycée Maïdio par la gouverneure de la province, Dr Isabelle Kalenga Mushimbi, qui a invité les finalistes à être confiants en affrontant ces épreuves dans la discipline. À vous, nos enfants, je vous invite d'être confiants à vous-même. Affrontez les examens avec discipline, confiance et assurance, sachant que celui qui veut, il peut. C'est-à-dire, si vous voulez réussir, vous réussirez. Mon souhait est que les lauréats ou lauréates de cette édition 2022 proviennent du Haut-Lomami. Sur ce, je lance les débuts de la session ordinaire des examens d'État, édition 2022, sur l'ensemble de la province du Haut-Lomami.
Que Dieu vous bénisse et bonne chance à tous. Et remercier les chefs de l'État et son gouvernement pour les efforts multipliés dans les secteurs éducatifs. Après les lancements, distribution symbolique, passage en revue dans différents centres avec les mots d'encouragement aux candidats finalistes, accompagnés du ministre provincial de l'Éducation et quelques autorités de l'enseignement primaire, secondaire en Provence, dont les PROVED, l'IPP, ses agents et les délégués du ministère national venus pour la circonstance. Retenons que ces épreuves se déroulent dans les calmes sur toute l'étendue de la province du Olomami, Arancheri, le PROVED, Olomami 1, Urbain Tchichbavoual. Je crois que tout est calme, il y a la sérénité. Tout le centre, il y a le calme. Il n'y a pas d'incident, même mineur. Première journée consacrée à la culture générale. Pour mémoire, les épreuves d'examen d'État vont se dérouler pendant 4 jours. Gina Kalala, depuis Kamina. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression en profondeur sur les terroristes ADEF de la chefferie de Wallace Vankoutou, au site du Rumu. 22 de ces terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées par le FRDC sous le commandement du général Mugisha Mulek à l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet. Dans le groupement Banda Vilemba, a dû le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé 22 éléments terroristes de ZADEF, récupéré ou ont saisi 8 armes de type AK-47 et le matériel de guerre, entre autres un touraya récupéré dans le bastion de ZADEF. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à la vigilance. Nous appelons la population à aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, la population ne doit pas aller au-delà en profondeur où les forces armées mènent les opérations. Nous appelons la population à rester dans le milieu le plus sécurisé. Cela va nous permettre de mener les opérations pour leur intérêt. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. Orange est une excellente source de vitamine C. En consommer permet de lutter contre certaines maladies. L'expert en environnement Mangaribi l'explique. Parmi les bienfaits de l'orange, il prévient les maladies cardiovasculaires, les cataractes et les neurodégénératives dont souffrent beaucoup de personnes âgées. Il est recommandé de consommer les fruits de l'orange une heure avant les repas ou bien 4 heures après les repas. Et ce qui est mieux, c'est de chercher l'orange bio et dont beaucoup ceux qui ne sont pas des OGM. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre en grande partie sur les grande surface des oranges importées où il n'y a pas de pépins. Et ce que nous, on a toujours recommandé, c'est de faire recours aux variétés traditionnelles où quand tu consommes ton orange, il y a des pépins à l'intérieur. Et là, on sait qu'une fois c'est cultivé dans la bonne terre où on a mis du fertilisant organique, ça permet à ce que l'orange arrive à jouer pleinement son rôle dans le corps humain. L'orange étant un fruit saisonnier, il est souhaitable d'en profiter dès son apparition. Il était 15 heures lorsque la veuve de Papa Wemba a foulé le sol de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en RDC. Vêtue en robe verte, avec ses lunettes, portant un sac bleu, Madame Amazon a été accompagnée par le directeur général de l'ACPCA, de M. l'abbé Coco, ainsi que de l'équipe de MECO International. À preuve de civilité, de prime abord, une minute de silence a été observée en mémoire de Papa Wemba. Prenons la parole, M. Raymond Gramazani, le directeur général de l'ACPCA,
a rappelé en quelques mots le raison de leur visite. Le premier projet du trait culturel que nous comptons lancer en notre qualité d'opérateur culturel est celui de rendre hommage à Papa Wemba en Côte d'Ivoire par la réalisation d'un monument mémorial, ainsi soit-il, en son honneur de l'artiste à la place Anou Mabo. Séance tenante dans son bureau situé dans la commune de la Gombe, tour à tour, prenant parole, chacun a rappelé un brin d'histoire sur le feu Papa Wemba. Pour l'ambassadeur ivoirien, Papa Wemba n'est pas seulement un ancêtre de la rumba congolaise, mais aussi de l'Afrique entière. Ce train culturel congolais et ivoirien effectue un nouveau départ pour la culture de deux pays et ce mémorial est un grand pas vers des nouveaux horizons. Wemba n'était pas l'un des ambassadeurs de la culture, il était un ambassadeur émérite de la culture africaine. Les Congolais et les Ivoiriens portent les mêmes valeurs. La RDC tient en Afrique centrale le leadership que la Côte d'Ivoire tient également en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas fermer une politique. Vous avez parlé de ce train. Oui, c'est un moyen de locomotion. Nous allons parler également de ce pont aérien qui va encore appuyer ce train. Ce premier projet du train culturel qui sera lancé en Côte d'Ivoire permettra non seulement de commémorer les défunts Papa Wemba, mais aussi de renouveler le rapport culturel entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Moi, j'ai pensé qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Il devait se taire. Parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. C'est une réponse sanglante de Donatien Chimanga, président intérimaire de la Fédération Congolaise de Football Association, à l'endroit de Constant Marie Selemani, ancien président. En réponse aux émois de ce dernier sur l'état pitoyable du football congolais en général et celui de la Fédération Congolaise de Football Association en particulier qu'il a eu à gérer. Bonsoir et bienvenue dans la rétro de la semaine. Cette semaine a été marquée par la sortie médiatique de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabou qui, tout en annonçant la création de son parti politique, a fustigé le régime en place. Côté sport, Donatien Chimanga, président AI de la FECOFA, a couteau tiré avec l'ex-président Constant Omari. Le comportement inadmissible des motards communément appelés Wewa à Kinshasa a été fortement déploré suite à l'incendie d'un véhicule qu'ils ont réduit en cendres pour venger l'accident d'un des leurs. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tonné sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître le nom de celui qui t'a dit et tu dois me montrer des preuves. Quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le règlement d'utilisation de cet argent. Dans le règlement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là, et le reste qu'il devait faire aux sociétés, partout où il devait donner. Et en me montrant, j'ai dit, président, ces documents allaient être présentés au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, c'est j'en ai. Ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels? Où se trouve notre part? Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Une année après la fin de sa suspension par la Fédération Internationale de Football Association de toute activité liée au football sur l'affaire dite Lagardère sur le droit télé de la CAF où il était encore vice-président en 2016, Constant Marie refait surface dans une période décisive sur l'avenir du football congolais où des élections pour sa succession se profilent à l'horizon. «
satisfait de ce groupe-là parce que c'est un groupe qui a beaucoup travaillé, qui est arrivé à maturité. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons des très bons résultats par rapport à ce groupe-là. Mais il faut dire que dans ce groupe-là, il y a les meilleurs joueurs qui ne sont pas venus parce que sinon le meilleur de tous, Manyonga Kabuya, n'est pas venu. C'est lui qui joue en Danemark. En première division, il n'est pas venu, il a participé à tous les stages que nous avons effectués, tous les 5 stages, mais en dernière minute, il a déclaré forfait parce qu'il avait un problème au niveau de l'épaule. Il y a également le petit Lufanitu, qui également est un grand joueur, il joue en division 1 en France, qui n'est pas venu, qui était aussi malade. Il y a le gardien Miantou Dila qui n'est pas venu. Donc nous avons eu au moins 4 de 7 majeurs qui n'étaient pas là. Donc voilà les déséquilibres. Je sais que dans les jours à venir, nous aurons une très bonne équipe parce que ce qu'ils ont donné là, malgré le hasard des calendriers qui a fait que nous puissions ne rencontrer que les équipes du Nord, qui sont, vous les connaissez, ce sont des champions d'Afrique. La Tunisie, l'Égypte, ce sont les 3 têtes de pont de notre handball africain. Donc, nous avons rencontré ces équipes-là sans pouvoir être en infériorité. Nous les avons affrontées et on va continuer à travailler, mettre du sérieux. A été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.